Oui, c'est un match amical qui rentre dans le cadre de la préparation de l'équipe nationale pour deux objectifs qui sont très importants. Le premier objectif qui est à court terme, c'est le match choc contre la Tanzanie pour la qualification à la Coupe du Monde. Et je crois que c'est une occasion pour voir un petit peu les joueurs locaux. Et là, je dois remercier tous mes collègues entraîneurs des équipes marocaines pour leur soutien. Ça, c'est très important. Et donner l'occasion aux joueurs qui brillent avec leur club. Et actuellement, on a vu que le niveau a évolué avec un grand pas. Et je crois que maintenant, les joueurs ont montré qu'ils sont déterminés, qu'ils ont une vocation et qu'ils sont bien sûr prêts pour dosser le maillot de l'équipe nationale. Et c'est pour cela qu'on a effectué pas mal de stages. Et c'est un stage qui sera fructifié par un match amical contre le Mali et que j'espère que c'est un bon sparring partner. Est-ce que vous connaissez cette équipe du Mali? On connaît le football malien, on connaît quelques joueurs. Mais l'équipe, grosso modo, puisque elle aussi, elle vient de commencer la préparation pour la chaîne. Madame le maire, merci.